Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est du coup, moi, ben, j'ai décidé de vous montrer ma collection DVD Blu-ray. On est du coup, ben, on va enchaîner sans plus tarder. Alors, un DVD, c'est Moon, c'est La Face Cachée. Voilà, que j'ai vu, mais qui est vraiment pas mal. Voilà, qui reste un très bon film. Attendez, je vais approcher. Que là, je suis loin. On enchaîne avec un film, c'est Ninja Blade. Et qui est un très bon film. Voilà. Que ça se laisse regarder. On enchaîne avec un film avec Leonardo DiCaprio. C'est Inception. Qui est vraiment un très très bon film. Franchement, je vous le conseille. Voilà. Un film catastrophe. C'est Judgment Day. Voilà. C'est un honneur, mais voilà, moi j'aime bien. Un film avec Sean Connery, c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires que j'ai vu, franchement très très bon. Voilà. La légende du Real Madrid, voilà, du foot. Ça peut être que génial. Un film, c'est Serial Killer. C'est un psychopathe très spécialisé, c'est tueur de flics. À l'intérieur, c'est Ritual Killer. Mais du coup, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Voilà. Un petit coffret d'édition spéciale, c'est Power Rangers Samouraï, Halloween et Noël. Et je l'ai regardé, franchement, c'est un très très bon film. Un petit coffret. Le choc des titans qui est très bon, vous connaissez tous. Et la suite, hein, la colère des titans qui est très bon aussi. Voilà, une très bonne saga. Un film avec Will Smith, c'est iRobot. J'ai regardé, franchement, c'est un très bon film. Hein, voilà. Ça se laisse regarder. C'est un très bon film, Will Smith. Un bon petit film. C'est Jack et le chasseur de géants. C'est un très bon film. Un petit coffret avec Pirates de Langkouchoir. Voilà. Et Bang Rajan 2. Mais qu'il va falloir que je me procure le premier. Voilà. Un bon petit film, c'est 1981. C'est l'année où je suis devenu un menteur. Voilà, un très bon film. Hein. Voilà. Qui se laisse regarder. Un petit Disney, c'est un chef-d'œuvre, Cendrillon, voilà. Un classique. Opération V2. Très bon film de guerre. James autour de ma bulle. Très bon concert, voilà. Pour ceux qui aiment James, voilà. Là, c'est Alpha Dog qui reste un très bon film. On enchaîne avec un film. Il y a Samuel Jackson, Kurt Russell. C'est un film de Quentin Tarantino. C'est Les 8 Salopards. Hein, voilà, pas besoin de le présenter. Tout le monde a.
Un film avec Julia Roberts, c'est Pretty Woman, très bon film. Bourville, avec le cerveau, la traversée de Paris, le bossu, voilà une très très bon, des très très bons films. Les trois ils sont bons, voilà. L'intégrale de Brise de Nice. En Brise de Nice, le premier. Qui est pour moi le meilleur. Et Brise de Nice 2. Qui est nul. Qui est une daube. Pas possible. Brise de Nice 3. Il est moins marrant que le premier. Mais ça se laisse regarder. Et ben. Et j'ai préférence pour le premier. Et je préfère largement le premier. Voilà. Les Bronzés au fond du ski, qui reste un très bon film, bien marrant. Voilà. Les Bronzés, qui est assez marrant. Jumper, mais le nom n'a plus de limite. C'est par le réalisateur de La mémoire dans la peau et de Monsieur et Madame Smith. Voilà, qui a un très bon film. Franchement, c'est sympa, c'est bien fait. Voilà. Code 252, signal de détresse. C'est un très bon film, catastrophe japonais. Voilà, franchement, ça se laisse regarder, ça va. Très bon. Un petit coffret. Ça, j'avais trouvé ça à Noz. C'est Manhattan Samurai, qui a un très bon film. Moi, j'ai adoré, voilà. Et Ninja Assassin, qui est vraiment très bon aussi. Voilà. Un bon petit film de ninja, franchement, voilà. Les choristes, qui est vraiment très bien. Franchement, j'adore ce film. Il est génial. Et ben, j'ai même la bande, j'ai même la BO. Voilà. Rap, Génération Rapper R&B Live 2, qui est vraiment très bon. Pour ceux qui aiment le rap R&B, voilà, c'est sympa. Un film avec Ben Affleck et Jennifer Garner, c'est Daredevil. J'adore ce film. Ben, j'ai vu qu'il y a la série, moi, Ben, il va falloir que je me le procure. Voilà, qui est plutôt pas mal. Le nom de la rose qui est pas mal aussi, moi j'aime bien. Voilà. J'adore ce film. The Storm s'est inspiré de faits réels. Ah ça, j'adore ce film. Ah ça. Tout ce qui est né, tout ce qui est film inspiré de faits réels, histoire vraie, moi j'adore. Ça, c'est un très très beau film. Pour ceux qui connaissent pas, mais allez-y, foncez, mais regardez ce film, il est beau, par contre, il est touchant. Battle Planet, qui est un très bon film aussi. Voilà. Qui se laisse regarder, mais voilà. Ah, ça, j'avais trouvé ça. Ah non, c'est ma mère qui me l'avait pris. Egal M6 en toute sécurité. Avec ça, c'est bien pour savoir en toute sécurité. Voilà. Les dangers des vacances. Voilà, c'est toujours sympa de regarder ça. Egal M6 en toute sécurité. C'est la sécurité routière. Ça, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien. Voilà. Ben, j'aime bien ce genre d'émission. C'est dommage que ça passe plus parce que pendant un moment, ça a passé le dimanche. Et ça a passé aussi, même le samedi aussi. Jamel Debbouze, 100% Debbouze, franchement, je l'adore. J'ai passé un très bon moment devant. Je me suis marrée comme je sais pas quoi. Voilà. Un bon petit film catastrophe, c'est Ouragan du Feu. Qui est vraiment très bon, franchement. Qui est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Diams, ma vie, mon live, très bon concert, franchement.
Il y a même des lives. Il y a un live, il y a ma vie, il y a documentaire, interview, bonus clip, titre inédit. Voilà, franchement, pour ceux qui aiment cette chanteuse, hein, voilà. Un film avec Brad Pitt, alors dans Bloom. C'est trois. Franchement, j'adore ce film. J'ai regardé, j'ai adoré, je l'ai même dévoré. Voilà. Très très bon film. Un film catastrophe, hein, Alerte Tornade. Très bon film aussi. Eh ben moi, mais je m'attendais à un honneur, non. Non, moi j'ai adoré, voilà. Un bon petit film catastrophe. 3-0, tous les coups sont permis, hein. Génialissime. Du foot, voilà. En science-fiction, c'est John Carpenter, c'est Ghost of Mars. Franchement, j'ai adoré. Pour ceux qui connaissent pas, mais foncez quoi. Très bon film. J'ai passé un très bon moment devant. Bon. Bad Boss. Qui est vraiment une très bonne comédie. Voilà. J'ai adoré. L'intégrale de la saison 1 de Urmintarjé, une très bonne série d'action. Franchement, je l'ai regardé ben, quand j'étais en vacances à Noël. Franchement, j'ai adoré. Ah ben, je l'ai dévoré en une journée. Tellement que j'ai bien accroché. J'ai regardé sur internet, ben, ils sont arrêtés la première saison. Je suis un peu déçue parce que vous avez cette série, j'adore. Le jour d'après, voilà, je présente plus, très bon film, un chef-d'œuvre. Je ne sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas fait un Oscar. Ah, MTV, c'est Jackass volume 3. Je me suis marrée, j'adore. Voilà. Jackass 2, le film, version non censurée. Très bon film. J'ai passé de très bons moments. Je me suis marrée du début jusqu'à la fin. Un film avec Al Pacino et Robin Williams. C'est Insomnia. Je l'ai vu. Franchement, j'ai passé une très bonne après-midi devant. J'ai adoré. Franchement. Encore un DVD de foot. C'est 90 au cœur des Merlus. Saison 2006-2007. Voilà. Très bon DVD. Voilà, rien à dire. Les secrets des sept volcans. Voilà, plutôt cool. Pour ceux qui connaissent pas, je vous dis un peu vite fait le film. C'est le frère et la sœur. Ben, en fait, ben, ils communiquent ben, par le. Par les esprits ou je sais plus trop quoi, ben, il faudrait que je le re-regarde. Franchement, c'est un très bon film. Délire Express. Ah, je me suis marrée. Voilà, très bon film. Ça, c'est un film que ma mère et mon beau-père qui m'ont donné, ouais, du coup. Et je l'ai regardé, franchement, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment devant. Turn of the Blade. Très bon film aussi. Voilà, bien marrant. Un film avec Ridley Scott et réalisé par Matt Damon, c'est Le Sol sur Mars. Voilà, très bon film. Pour ceux qui connaissent pas, ben il essaye de survivre sur Mars, il est seul. Voilà, très bon film. Voilà, j'ai adoré. Un film avec Sylvester Stallone, c'est The Terrorist. Voilà, très bon film, hein, voilà. Et Stallone, hein, franchement, rien à dire. Mon acteur chouchou. Ah, ça, c'est que j'avais trouvé ça à Noz pendant un moment, parce qu'il y a une époque à Noz, mais je trouvais des DVD à trois films, mais je peux depuis quelques temps. Là, c'est spécial science-fiction, c'est Le Septième Sens, Moon 44 et The Survivor. Voilà, les trois, j'ai adoré.
Voilà, j'ai passé un très bon moment devant. Parce qu'il y a une époque à nous, il rentrait souvent des films par trois, mais voilà, très bon film. 21 Jump Street, hein, voilà, très bon film. Voilà, une très très bonne comédie, bien marrante. Bien marrant, voilà. Un film avec Ridley Scott. C'est Thelma et Louise, franchement, c'est un très bon film. Voilà, j'ai adoré. Pour ceux qui ne connaissent pas Thelma et Louise, ils veulent partir, je sais plus où. Et en fait, ben, ils vont aller dans une espèce de boîte de nuit, mais en fait, ça se tourne mal. Il y en a une qui tue le mec, mais en fait, ils essayent d'échapper aux flics. Voilà, très bon film. Un film avec Bruce Willis et Otage, voilà, très bon. Bruce Willis, hein, voilà. Il a fait des super bons films, mais dommage qu'il a arrêté à cause d'un problème de santé. Deux films avec John Wayne, c'est Le Fils du désert et Les Cowboys, voilà, très très bon film. J'ai regardé ça, franchement, j'ai passé un très bon moment devant. Un film avec Steven Spielberg et Peter Jackson, c'est Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne. Ce film, ben, il est trop bien. J'avais même été le voir au cinéma, franchement. Je l'ai acheté après en DVD. Dès qu'il est sorti, je l'ai revu. Franchement, j'ai adoré. Voilà. Franchement, très bon film. Un film avec Adam Sandler. Et j'en passe, et Pixel. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film en fait avec des jeux. Des jeux de rétro. Et en fait, ils finissent la partie, mais ils envahissent toute la ville. Franchement, très bon film. Un film avec Ben Affleck. C'est Argo, c'est d'après une histoire vraie déclassifiée. Voilà, très bon film. Voilà. Je pense que tout le monde connaît. Voilà. Très bon film. Le Petit Poucet, moi j'ai adoré, franchement. J'adore ce film, voilà. Et on clôture la première partie de vidéo, c'est Les Misérables. C'est par le réalisateur Oscari, film de Le Discours d'un roi. Franchement, j'ai regardé, il est trop beau ce film. Voilà, excellent. Bon ben voilà, c'est tout pour cette première partie de ma collection DVD. Et on se retrouvera pour la deuxième partie. Et j'espère qu'elle vous plaira. Alors si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et un j'aime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!